quoi par rapport à ça. C'est la vie que t'as l'air. C'est juste que les gens. Qu'on en fait, Alexis. Qu'on en fait. Non, mais en même temps, tu as dit 80% lesquels, ça ne fonctionne pas. Mathieu, tu connais le rugby ? Bien sûr. Alors justement, Dimitri, bah, vous faites une passe à hauteur à comment les Français abordent ce crunch, comment vivent-ils ce France-Angleterre ? Est-il pour eux un match particulier ? Réponse, sujet d'Hélène McCurdy qui est à mes côtés. Là, on est dans l'irrationnel. Pour le vivre, le compte à moment qui va se tenir.
le numéro 10, Thomas. Voilà, les joueurs sont de retour sur le terrain. Mathieu, Dimitri, je sais que vous êtes prêts pour cette seconde période. On attend toujours Fabien Galthié, donc si vous le voyez, eh bien vous lui passez la parole. Et bien sûr, il va arriver. Bonsoir Mathieu, une pensée pour Mathieu qui est là. Merci, il va arriver au micro d'Hélène dans quelques instants. Fabien, on va l'écouter parce qu'on a hâte de savoir ce qu'il a pensé cette première mi-temps, parce que 16 à 10, on pourrait se dire que l'équipe de France n'est pas forcément payée par rapport à sa domination. Hélène, je vous laisse avec le sélectionneur. Oui, Fabien. Estimer quand même cette équipe d'Angleterre qui a été sur tous les matchs du tournoi destination menée à la mi-temps et qui a remporté 3 de ces 4 matchs où ils étaient menés. Voilà, ça prouve qu'il faut persévérer. Rien n'est fait face à cette équipe anglaise et ils étaient à deux doigts de récupérer. D'ailleurs, ce renvoi avec Henry Slade. Ouais, mais Julien Marchand est là pour proposer son ballon. Avantage. C'est un match à l'image de ce tournoi avec chaotique, des montagnes russes et puis bon voilà, une belle satisfaction à la fin. C'est ça, à l'image du tournoi, on est passé par du bien, du moins bien. Mais voilà, à la fin on réussit à gagner ce match et je pense qu'on est tous très contents de gagner ce match et de quand même finir sur une bonne note. Merci.